La gestion d'un groupe, c'est quelque chose d'extrêmement délicat et qui peut fonctionner et qui peut s'écrouler très vite. Donc ça, c'est vraiment un équilibre qui est toujours fragile à garder. Et en tout cas, ça, c'est un rôle très très important de notre métier de chef de cœur. C'est bien au-delà des notes de musique et de la musique qu'on peut faire ensemble. Parce qu'en plus... Au début, il faut dire la vérité, j'avais des appréhensions par rapport à ça. C'est pas par rapport au cœur. Hein. Couple en montage, ça là. J'ai jamais travaillé avec des personnes différentes. On se connaît depuis des années. Pour des gens comme Monsef, on était dans le même collège, on habite dans le même quartier, on était dans le même club de foot. Ça va, ça va? Ça va. C'était vraiment la complicité qui faisait qu'on travaille ensemble. Ils sont toujours confondus avec quelqu'un ou stigmatisés. Quoi. Je vais pas partir dans les grands débats, mais faut le dire quand même. Ça reste pour certains des jeunes de banlieue ou soit avec leur capuche, des grosses raclures, par exemple. Donc, non, c'est juste après, ils avaient peur de donner une mauvaise image ou. On a une mauvaise image d'eux. Et c'est ça la diversité culturelle, c'est d'arriver à faire que ces gens se rencontrent et peu importe quelque part ce que va donner le résultat, ce qui est important c'est le processus. En fait, au départ, c'est ma mère qui chantait. Qui chantait beaucoup à la maison et qui chante toujours d'ailleurs. Elle n'a jamais travaillé sa voix, mais elle passe son temps à improviser. Et puis ensuite, The Angel Song. La Run Song, j'ai pas un changement. Ça doit être la Run Song. Là, vous allez dans toutes les directions. Là, on est tous enchaînés les uns aux autres au début. Je voyais ma grande sœur qui chantait aussi, parce qu'on était tous à la maison. Quand on partait en voyage, on chantait tous dans la voiture. Enfin bon, voilà, donc c'était quelque chose de complètement spontané. Je suis rentrée au conservatoire, je voulais faire du violon. Et on m'a dit que j'étais trop vieille, j'avais 10 ans, pour faire du violon. Donc je me suis rabattue sur le violoncelle. Et c'est un instrument qui est très très proche de la voix et qui finalement a continué à développer, je pense, mon sens de la ligne vocale. Avec des petites contrats extrêmement staccato et mordantes, tu peux chanter un peu plus. Oui.